Depuis le 1er août 2023, si est-il toute la famille des Miss France qui est en deuil. La légendaire Geneviève de Fontenay s'est en effet éteinte d'un arrêt cardiaque, dans son sommeil. Depuis, les hommages se succèdent et certains sont même particulièrement inspirés au point de trouver des ressemblances entre la dame au chapeau et une autre personnalité télé bien connue. Une page de la télévision française s'est tournée à la mort de Geneviève de Fontenay, le 1er août dernier. Dans tous les médias et sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages et témoignages d'affection se sont succédés en l'honneur de celle que l'on surnommait la dame au chapeau. Mais entre deux messages emplis de tristesse et de nostalgie, le comédien Alex Vizorek a préféré jouer la carte de l'humour en dénichant une ressemblance encore jamais identifiée entre Geneviève de Fontenay et Léa Salamé. Sur son compte Instagram, le vendredi 4 août 2023, l'acteur a en effet posté un photomontage des deux célèbres femmes. Sur la gauche, on peut apercevoir un vieux portrait de l'ancienne présidente de la société Miss France, à l'époque où elle était encore très jeune, tandis que sur la droite, on peut apercevoir Léa Salamé qui adopte quasiment la même posture que son aînée. Les deux clichés sont en noir et blanc et la ressemblance entre les deux personnalités est tout simplement frappante. Dit Lisa Lamoff, tu aurais pu nous dire. J'espère que tu vas hériter des chapeaux, a plaisanté l'acteur en légende de sa publication. Dans la section réservée aux commentaires, Léa Salamé n'a pas manqué de réagir avec humour. Chapeau la vanne arrobase à l'étwentsorek. Je vois que tu t'éclates en vacances, s'est-elle amusée en ajoutant un emoji mort de rire. Avoue qu'il y a un air, lui a alors répondu son ami avec insistance. Amusée par cette situation inédite, Léa Salamé a alors fait une confidence tout en glissant au passage un petit compliment pour la dame au chapeau. En général, on me compare à Amy Winehouse mais je crois que Geneviève était aussi rock qu'elle, a-t-elle affirmé. Si les internautes ont immédiatement validé cette ressemblance, ils ont en revanche noté le lien physique avec deux autres célébrités, internationales d'ailleurs, qui ressemblent bien plus à Geneviève de Fontenay selon la plupart d'entre eux. Il s'agit de Lady Gaga et Amy Winehouse. Mais si est-il pas plutôt Lady Gaga qui ressemble à Geneviève? Moi j'ai cru que c'était Lady Gaga à gauche, Geneviève ressemble davantage à Amy Winehouse, si est-il et Amy Winehouse qui ressemblait à Geneviève de Fontenay, peut-on lire parmi les commentaires. De quoi beaucoup amuser Léa Salamé et Alex Vizorek qui ont probablement bien dû rire en lisant tous ces commentaires.